Le samedi 17 octobre 1992 restera un grand jour. Celui où les fous qui peuplent le club James Bond se sont retrouvés, toutes et tous, autour d'une exposition de prestige près de Paris. Pour une fois, pas d'agissement secret, mais une manifestation dont beaucoup se sont fait l'écho, une première en France. Le lieu, Mouroux, près de Marne-la-Vallée. La date, le 17 octobre 1992. La mission, réunir tous les passionnés de l'agent secret de Sa Gracieuse Majesté. Les images qui suivent vous démontreront que cette espèce de passionné n'est pas une espèce rare, bien au contraire, et que, plus de 30 ans après sa naissance cinématographique, le phénomène James Bond 007 est bien vivant, prêt à défendre à nouveau 30 années de folles missions, 30 années de dangers mortels et de girls étonnantes. Bienvenue aux premières rencontres bondiennes. And he can soothe you like vanilla. The gentleman's a killer, Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Damoiselles in danger have filled the stranger's path. Like a knife, he cuts through life, like every day's a lie. He's from the school that loves and leaves them. A pity if it grieves them. Mr. Kiss Kiss Bang Bangs. Not a fool. Damoiselles and danger have filled a stranger's path. Like a knight, he cuts through life, like every day's the last. He's fast, and he's cool, he's from the school that loves and leaves them. A pity if it grieves them, Mr. Kiss Kiss Bang Bangs, not a fool. Imaginez une grande salle, pleine de gadgets, de mémorabilia, de souvenirs. 30 années témoins d'une épopée bondienne unique dans l'histoire du cinéma.
Imaginez un environnement dans lequel Bond est omniprésent. Un univers où tous les invités ont un point commun. Une même passion. Un même sujet commun de conversation. James Bond 007. Imaginez enfin une journée exceptionnelle, entièrement consacrée à votre passion, avec des surprises, un fond sonore signé John Barry et une rencontre avec les dirigeants du club. Une journée où vous auriez pu demander à Rémi Julienne ses trucs et astuces développés lors de ses tournages bondiens. N'imaginez plus. Tout cela fut réel ce samedi-là. Rémi Julienne, les gadgets, les réponses à vos questions, des objets dont vous ne soupçonniez même pas l'existence, un dîner entre les membres du club et même des projections de bande-annonce. Une telle émotion qu'il nous faudra la renouveler au plus vite. Comment êtes-vous devenu cascadeur? Je suis devenu cascadeur tout à fait par hasard. Je faisais des courses de moto, j'étais champion de France de motocross. Et Gilles Delamarre a eu besoin d'un bon motard pour assurer des prises de vue dans un film qui s'appelle Fantomas. 1964, j'ai découvert le cinéma et j'ai continué. Est-ce que vous avez des souvenirs de cascade justement, de ce film Fantomas avec Jean Marais? Oh bon oui, il y a toujours de nombreux souvenirs. Mais moi j'ai découvert un type formidablement sympathique, athlétique et avec de funesse, et ce qui fait qu'on a fait vraiment très très bon ménage, et j'ai découvert là un petit peu toutes les astuces qu'il fallait employer pour le cinéma, non seulement faire des choses acrobatiques mais aussi faire des choses mécaniques, il fallait que tout suive, et j'ai fait vraiment un tas de découvertes à l'occasion de ce film. Alors justement, par la suite, dans toutes les années 70, même les années 80, on vous a vu beaucoup dans le cinéma français, dans les films de Derey, les films de Verneuil, les films de Lautner. On a l'impression que ça correspondait à une certaine catégorie du cinéma français, et aujourd'hui on a l'impression que ce cinéma français a disparu. Le cinéma français d'aujourd'hui, il n'y a plus les scènes d'action comme il y avait avant. Est-ce que ça vous pose un problème? Oui, ben ça me... Enfin, de problèmes moral ou de problèmes matériels? On vous voit moins quand même par rapport à avant. Bon, les films français étaient quand même beaucoup plus prédisposés à des scènes d'action. Bon, je parle en particulier de tous les films de Belmondo qu'il y avait, les films de Delon, bon, il y a eu les films de Lautner, de Rey. Ces gens-là, aujourd'hui, bon, ils font plus tellement ce genre de films d'action, de même que Jean Marais, quand il faisait des films, automatiquement, c'était pour vous. Est-ce que vous avez compensé ce manque dans le cinéma français par autre chose? Pour l'instant, oui, on fait 68% de notre chiffre d'affaires avec l'étranger. Alors, c'est évident qu'on nous voit moins en France, mais on participe beaucoup à des publicités, par exemple. On a la semaine dernière deux équipes différentes aux États-Unis pour des publicités, pour Michelin, pour Polaroid, l'un en Caroline du Nord, l'autre à Los Angeles. Mais donc on est toujours... Et puis on fait maintenant des téléfilms, c'est la mode, beaucoup de téléfilms, que le cinéma français, effectivement, se porte pas très bien. Et dans ce genre de films-là, apparemment, ça n'a pas l'air de faire recette parce qu'ils n'en font plus. Ou alors avec des moyens tellement réduits que c'est trop difficile et que ça ne vaut pas la peine de prendre des risques pour peu de résultats. On vous connaît particulièrement pour vos cascades avec des voitures, avec des camions, avec des motos. Est-ce que vous avez fait des cascades avec d'autres engins?
Tout ce qui est mécanique, tout ce qui a des moteurs, tout ce qui est un moteur, des roues, mais que ce soit avec des avions, hélicos, camions, effectivement. Mais c'est vraiment notre spécialité, tout ce qui est mécanique. Alors maintenant, assez souvent, je suis responsable de toutes les cascades, c'est-à-dire aussi bien cascades physiques ou autres. Mais la plupart du temps, quand c'est de très haut niveau, alors dans les cascades physiques, par exemple, c'est avec mon ami Mario Louraski, qui est le spécialiste des chevaux. Oui. Lui qui a fait le Lucky Luke, par exemple, et qui a été obligé d'importer des chevaux européens, français, aux États-Unis, portant Nouveau-Mexique, Albuquerque, où c'est malgré tout le paradis des cascadeurs américains. Il vous est arrivé dans votre carrière d'avoir des cascades trop difficiles à réaliser pour lesquelles vous avez été obligé de renoncer? Ah, très rarement. Là, on peut compter ça sur les doigts d'une main. Hein. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé de dire non à René Clément pour un film qui s'appelait Une maison sous les arbres. Et de le faire autrement. Personne n'a voulu des morts, moi non plus. Et on a fait cette cascade autrement. Mais c'est vraiment très très rare, parce que la plupart du temps, on me demande de proposer des choses en fonction d'un scénario ou de l'esprit d'un scénario. Donc, je ne m'en prends qu'à moi si c'est trop difficile à exécuter ou à réaliser. Une question de virage. Du nombre de films pour lesquels vous avez travaillé? On a fait un recensement parce que j'ai fait des publicités pour les Américains, et là la publicité mensongère est sévèrement punie, et donc j'étais obligé de prouver ce que j'affirmais, et donc par l'intermédiaire du Centre National du Cinéma, il a fallu faire le tour, d'abord dans les années 77 je crois, et j'avais affirmé avoir participé à 250 films, ce qu'il a fallu prouver. Et puis avec, j'ai prêté serment à l'ambassade américaine à Rome. Alors, c'était tout un cirque épouvantable. Et depuis ce moment-là, ça m'a tellement demandé de travail de faire ce recensement que depuis ce moment-là, j'ai scrupuleusement écrit, noté, marqué. Et puis maintenant, bon, avec les ordinateurs, c'est assez facile. Mais on a trouvé quand même l'année dernière, j'ai participé à plus de 1000 films. 1000 films. Depuis 1964. Votre première collaboration sur un Bond film, ça a été Rien que pour vos yeux. Est-ce qu'avec James Bond, vous avez rencontré une nouvelle méthode de travail? Comment s'est passé un petit peu vos relations avec l'équipe technique? Bon, un Bond film, on sait que c'est une infrastructure assez gigantesque. Comment ça se passe? Oui, j'ai découvert pratiquement à chaque film, il y a quelque chose de différent. Il y a beaucoup de points communs. À chaque fois, il y a une caméra, il y a des acteurs. Mais alors, la manière, le traitement de tout ça, c'est en général très différent. Et dans le cas du Bond, effectivement, j'ai trouvé des nouvelles méthodes. C'était un espèce de gigantisme quand même. Ordinairement, une équipe de 40, 50, 60 personnes. Là, il y en a uniquement dans la deuxième équipe, il y a 250 personnes. Donc c'est énorme à manipuler. Et malgré tout, c'est bien huilé, tout fonctionne de manière extraordinaire. Et il y a beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est bien, c'est formidable, c'est motivant, c'est extrêmement intéressant pour un Français d'être appelé par ces gens-là. Mais par contre, je n'en ferai quand même pas mon ordinaire, parce que on est un peu trop sous les fourches des gens. C'est trop dirigé, trop fait, ça manque d'inspiration et c'est un peu gênant. Oui, alors justement, les différentes cascades qu'on a vues dans Rien que pour vos yeux, dans Dangereusement vôtre,
C'est vous qui les avez créés, ou même bon, la scène des poids lourds dans Permis tuer, ou est-ce qu'on vous les a imposés et on vous a dit voilà, on vous a donné storyboard, vous réalisez ça. Comment ça s'est passé? Non, dans le cas dans le cas des camions, du dernier Permis tuer, il n'y avait pas d'écriture encore. C'était à l'avant-dernier, lors de l'avant-dernier, on a dit qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois, et c'était à moi de proposer. J'ai proposé une séquence que j'ai écrite de A à Z et qu'on a bien sûr travaillé, transformé, arrangé. Là, c'est moi qui en ai l'auteur complet de A à Z et c'est moi qui ai fourni les éléments de découpage technique. Quelles ont été vos relations avec Roger Moore et avec Timothy Dalton? Oh, tout à fait exceptionnel, véritablement exceptionnel. Donc, tous les deux sont très différents. Hein. Mais Roger Moore, c'est vraiment le parfait gentleman. C'est un type vraiment exceptionnel. Quant à Timothy Dalton, c'est aussi un professionnel qui, en même temps, lui, va beaucoup plus au charbon. Hein. Il se mouille, il fait des trucs, il prend des risques que ne prend pas Roger Moore. Ce qui est normal. Je crois qu'il y a après, la différence de l'âge. Je crois que, bien ouais, sûr, bien sûr. C'est... Alors que Timothy Dalton en veut, c'est vraiment... Mais tous les deux, humainement parlant, tout à fait exceptionnel. Savez-vous s'il y a un nouveau James Bond en préparation? Ben, je sais pas, on subodore plein de choses, mais c'est tellement... je pense bien qu'il se fera quelque chose de nouveau, mais c'est pas évident. C'est pas évident, moi je souhaiterais, bien sûr. Vous êtes contacté d'ores et déjà? Non. Non, et puis je cherche pas à savoir, hein. J'attends, si ça vient, tant mieux, et puis ça vient pas, tant pis, mais je regretterais beaucoup, parce que c'est une ligne, c'est un mythe maintenant, et je souhaiterais véritablement participer à nouveau. Est-ce que ça a contribué à votre image de marque, justement, aux États-Unis? Est-ce que c'est un peu avec Rien que pour vos yeux que vous êtes fait connaître là-bas? Ah ouais, énormément, parce que c'est le financement, c'est quand même 50% américain avec United Artists. Hein. Et donc, tous les gens, les professionnels, voient tout ça. Bien sûr, tous ceux qui font de l'action là-bas voient, se renseignent, demandent, et à partir du moment, mon nom apparaît obligatoirement. Et là, ça m'a fait un énorme bien. Tous les Américains qui viennent travailler en Europe, à l'étranger, véritablement passent chez moi. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et ça permet à des gens comme Walt Disney de me demander comme consultant pour faire des propositions d'attractions pour les parcs à thème de Tokyo, de Marne-la-Vallée, par exemple. D'accord. Donc, très enrichissant. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Jérôme Nicot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du club James Bond de France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter comment vous est venu ce coup de foudre pour James Bond? Le coup de foudre pour James Bond est venu en fait du cinéma. Comme beaucoup en fait de personnes de la jeune génération, en voyant Espion qui m'aimait, en voyant Roger Moore, en voyant Lotus qui plongeait sous l'eau, qui faisait plein de choses, et puis un film qui était extraordinaire, qui a marqué le renouveau de Bond en France, c'était en 77, j'avais 11 ans, et ça a dû me marquer suffisamment pour que finalement, quelques années après, on décide de fonder un club. Alors, est-ce qu'à partir de là, vous avez commencé à collectionner les photos, à acheter des gadgets, se rapportant à James Bond? En fait, pas tout de suite. D'abord, 11 ans, c'est un petit peu jeune, et les jouets qu'on achète, on joue avec, donc on les abîme, et on regrette ça des années plus tard. Ouais. Mais par contre, continuer à suivre la série au cinéma, oui, et surtout, un petit peu plus tard, commencer à découvrir les supports, c'est-à-dire commencer à jouer le roman de Fleming. Mmh. Et comment vous est venue l'idée de créer le club James Bond? C'est une démarche normale en fait, c'est l'envie de faire partager la passion à d'autres personnes. Et quand ces personnes sont dispersées, le principal moyen que l'on ait, c'est de faire des publications, c'est de les réunir par ce biais-là, les inviter à s'exprimer à l'intérieur. Vous étiez déjà un groupe à la base? Vous connaissiez au départ déjà... on était quatre, et on n'était même pas quatre personnes de la même région. On était déjà quatre personnes dispersées qui communiquaient par téléphone, par courrier. Et en fait l'idée du magazine et de la correspondance, c'est arrivé de rencontrer manière... en fait des gens qui ont la même passion que vous. Complètement, et on en a rencontré pas mal depuis. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières au moment de la création de cette association? La création, non, parce qu'on peut créer une association, c'est très facile. Pour créer un fan club, il suffit d'aller immatriculer ça dans un registre, et puis le fan club est créé. Ce qui est plus difficile, c'est de l'asseoir et essayer de donner une certaine crédibilité vis-à-vis des personnes que l'on contacte, c'est-à-dire vis-à-vis des acteurs de la série, vis-à-vis des sociétés qui commercialisent du bon ou qui détiennent les droits vidéo, et puis vis-à-vis de tout le public qui est susceptible de venir adhérer. Cette crédibilité, elle est longue à acquérir, et on a 3 ans aujourd'hui d'existence, et on est un club adulte enfin aujourd'hui. Mais c'est comme une petite société en fait, il faut c'est faire à peu près ça, ouais.
Et alors justement, parlez-nous un petit peu des avantages qu'apporte une adhésion au club James Bond. Les avantages d'une adhésion, c'est une photo à l'adhésion, une photo dédicacée de Roger Moore. Et puis, c'est la capacité de recevoir toutes les publications du club. Alors, elles sont de deux types. On en a une qui est semestrielle, qui est un magazine, qui est assez épais, qui a une partie en couleur, qui comprend un gros dossier sur un film de la série, analysé sous toutes les facettes possibles, que ce soit le marketing, le box-office, le film, les romans, les bandes-annonces, les gadgets, la musique, les romans. Et puis, l'autre publication, qui, elle, paraît quand même beaucoup plus fréquemment, puisque c'est 6 à 7 fois par an, ça s'appelle Le Bond, c'est un petit journal qui fait 8 pages, et qui parle de toute l'actualité de James Bond du moment. Et combien y a-t-il d'adhérents à l'heure actuelle? Actuellement, il y en a 200. Et on vient de lancer une grande phase de publicité, en fait, pour que les gens nous connaissent. Donc je pense qu'on devrait rapidement passer à la vitesse supérieure. Et ça a quand même énormément évolué en 3 ans de temps, puisque vous êtes parti de 4 personnes, en fait, à 200 personnes. C'est des personnes uniquement sur la France, ou est-ce que vous avez déjà des contacts avec des gens à l'étranger? Le club James Bond britannique, par exemple, qui existe déjà depuis un certain temps? On a des contacts avec eux qui sont des contacts de pure politesse, je dirais. On se connaît, on s'échange mutuellement nos publications, comme si nous étions mutuellement abonnés l'un à l'autre. D'accord. Par contre, effectivement, nous avons des membres en Belgique, en Suisse. Et puis nous avons des contacts aux États-Unis. On a besoin de ça parce que Bond est un phénomène qui au départ vient de l'Angleterre et qui par la force des choses est devenu mondial. Et c'est pas parce qu'on est un fan club français qu'on doit se cantonner à la France. On a besoin d'avoir une oreille et des yeux un peu partout. Est-ce que vous attendiez un tel succès à la création il y a 3 ans? On l'espérait. On espère toujours ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a 3 ans, 4 personnes, une revue qui est en fait 20 feuilles photocopiées avec une mise en page qui est un petit peu tordue, et puis une typographie qui était épouvantable. Bon, bah, c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis. Et on est content aujourd'hui d'être 200 et de pouvoir continuer à avancer à nouveau, de pouvoir être capable d'être organisé en fait une grande rencontre, réunir des collectionneurs, et réunir en fait tout ce qu'un fan connaît en l'ayant lu, mais jamais en l'ayant vu. Et les rencontres bondiennes ne sont pas encore tout à fait terminées puisque la soirée sera très longue. Est-ce que d'ores et déjà vous êtes satisfait de cette première rencontre bondienne? Oui, je suis satisfait pour tout ce qu'on peut voir ici parce qu'effectivement on a réuni des collections et des gadgets que je ne connaissais pas. Il y a des choses dont j'ignorais l'existence ou qu'en tout cas j'avais pu voir en photo dans des livres mais jamais en réel. Et puis c'était l'occasion de rencontrer plein de gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui est venu. Et on ne pensait pas qu'en fait, James Bond, qui est un héros qui a 30 ans, donc les gens qui s'intéressent à la gadgetisation sont des gens qui, a priori, ne sont pas de la génération actuelle, des spectateurs de cinéma. Et finalement, le public d'aujourd'hui était vraiment de tout âge. Et puis, ça fait du bien de rencontrer tous ces membres avec lesquels on correspond et on fait des magazines, enfin, pour se rencontrer. Tout à fait. Vous pensez qu'une telle opération sera renouvelée? Je pense que ce sont les premières rencontres bondiennes. Le titre a été choisi volontairement. Il sous-entend qu'il y en aura d'autres. La périodicité en fait, de ces rencontres n'est pas établie, bien évidemment. Je ne pense pas que chacune des rencontres sera une exposition. Il n'est pas exclu que la prochaine rencontre soit effectivement le fait de rencontrer un acteur de la série, de bâtir une journée autour de cette personne, autour de sa prestation dans un ou plusieurs films de la série. Continuer à faire des rencontres, mais pas toujours selon le même principe. D'accord. Quels sont les projets du club James Bond? Les projets, c'est la croissance. En fait, c'est l'amélioration de ces publications, toujours et encore. Même si aujourd'hui, elles commencent à avoir une bonne tenue, je pense qu'on peut continuer là-dedans. On peut toujours ajouter de la couleur, on peut toujours ajouter de la qualité. Et puis, pour ajouter tout cela, il faut ajouter de la quantité. Ce qui fait qu'effectivement, plus il y aura de membres, plus on sera capable de proposer un produit qui finira un jour par être un véritable magazine. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ladies and gentlemen, bienvenue. Bienvenue à cette projection depuis n'est pas jouée. Vous savez que James Bond a 30 ans cette année. Le club James Bond, qui est un fan club français, a 8-3 ans. Nous avons décidé aujourd'hui en fait, d'organiser une grande exposition à Moreau, qui se conclut donc par la projection de Pénépa Jouet,
et puis à l'issue du film, la projection de la quasi-totalité des bandes annonces des films de Jeremy Perrin. On a longtemps hésité à choisir un film, lequel choisir, quel interprète, et puis finalement, pour rompre tout débat comme les mots, finalement, on a choisi de choisir le film avec l'acteur qui est en fait l'interprète titre actuellement. Alors, Tu n'es pas joué, c'est un film dont les cascades sont réglées par Amy Julien, qui travaille depuis 81 sur la série, qui règle donc toutes les cascades mécaniques du film. Et je vais lui laisser la parole. Il va vous évoquer quelques souvenirs sur ce tournage. Ce film, Edouard, il y a des amateurs, des bons, qui sont toujours très nombreux et enthousiastes. Je ne vais pas vous dire grand-chose, mais si vous avez quelque chose à me demander peut-être, ou à poser des questions, mais en dehors du fait que c'est toujours très très difficile de travailler dans ces grosses équipes, c'est tout à fait exceptionnel, parce qu'il y a deux équipes, une première équipe qui joue, qui fait travailler les acteurs, une deuxième équipe qui ne fait que l'action, et la deuxième équipe, il y a à peu près 250 personnes, de 200 à 250 personnes, qui sont employés sur la deuxième équipe, donc l'équipe qui est chargée d'exécuter et de régler, d'exécuter les cascades. La particularité de ces cascades, c'est que avant que le scénario ne soit écrit, les organisateurs, le producteur et le metteur en scène me demandent de faire des propositions. Et j'ai donc fait ces propositions, je suis auteur de des cascades mécaniques de ce film, et puis bien sûr responsable de la mise en place et responsable de l'exécution. Il n'y a pas eu de problème particulier pour nous, c'est-à-dire pas de blessés. Par contre, des problèmes matériels, il y en a évidemment eu beaucoup, parce qu'il faut toujours passer les frontières avec le matériel, avec des explosifs, avec des machines qui ne sont pas toujours compréhensibles pour les douaniers, ce qui nous occasionne des petits désagréments. Mais bon, c'est un petit peu la loi de ce travail.